Voilà, donc bonjour Olivier et bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Voilà, je te Bonjour. présente Emmanuel qui va travailler pour toi, pour ta séance alors. Ben, génial. Voilà, donc je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Ok, Je donc là t'écoute. j'ai fait une petite note. Alors, hop. Alors, au niveau, déjà on commence au niveau santé physique. Oui, il n'y a aucune importance pour moi. Comme Voilà. tu veux. Donc j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse. Dans les nuits, surtout palpitations et cœur, beaucoup il y a pas mal d'années, mais c'est revenu un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui prennent et où on panique. Alors il y a sûrement des peurs derrière qui doivent rester. Savoir que j'ai travaillé beaucoup hein, déjà en développement personnel, hein, donc voilà. Mais il y a des choses qui restent. Et depuis quelques années. Tu veux dire que ces derniers temps, ça revient? C'est ça que tu veux dire ou Oui, il y a eu quelques fois, oui. Voilà, il y a eu deux, trois fois où c'est revenu. Prise de. Voilà, une montée d'énergie une peur, sûrement, parce que la peur, je ne sais pas, de faire un arrêt cardiaque, de faire un AVC ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui restent derrière que je n'ai pas su encore bien accueillir. Et là, depuis quelques années, il y a eu vraiment une baisse, au moins une année ou deux, une baisse de la vue. Ouais. Ouais, ça c'est avec des sensations de brûlure et en même temps perte un petit peu de perte de cheveux aussi Sensation de brûlure où, tu veux dire? au niveau des yeux. Des yeux, hein, c'est ça. Hein? Ouais, les yeux Parce que c'est. tu parles des yeux, tu passes des yeux aux cheveux, c'est pour ça que tu tiens une Alors, brûlure. Alors, avec leur brûlure, voilà. d'accord, ok. La myopie, hein, de. Voilà, et une constipation permanente depuis quelques années. Pourtant, l'alimentation est nickel, parce qu'en tant que naturopathe, bon, je fais très attention, mais il y a un blocage quelque part. D'accord, on verra ça. Voilà. Et toujours dans la nuit, c'est des engourdissements de bras. D'un seul coup, mon bras, il répond plus, il faut que je le ramène et que le sang recircule. Voilà. Ça le fait Les assez deux souvent. bras? Ouais, ça peut être les deux bras. C'est pas en même temps, mais je sens que la circulation se coupe à un moment. Soit c'est le bout des doigts engourdi, ou carrément des fois un bras, quoi. D'accord. Voilà. Au niveau plus énergétique, je sens un blocage au chakra de la gorge. C'est. Voilà, et je sens qu'il y a aussi pas mal d'attaques astrales ou pollution qui se manifestent. On verra ça, Ça, voilà, d'accord. c'est donc savoir où se trouvent un peu mes failles émotionnelles et karmiques pour. Voilà, et un petit peu au niveau général, ça on pourra le voir entre-temps, mais c'est j'ai eu beaucoup de mal à mettre des projets en place. J'ai beaucoup pensé aux autres, beaucoup dans l'aide, pas forcément à moi. Donc beaucoup de procrastination, du mal à avancer. Hein, c'est cet ordre-là un petit peu. J'y arrive beaucoup mieux. Voilà, mais je pense qu'en réglant toutes les choses à faire, ça va débloquer. Hein. Et D'accord. donc plus spirituel, c'est que ces derniers temps, là, ces derniers mois, je découvre beaucoup mon magnétisme. Et mes ressentis, les mains énergétiques. Et je ressens vraiment beaucoup d'aide à faire de l'aide dans l'éveil. Un peu comme ce que tu fais, genre mission divine ou je sais pas. Je sens que ma présence apporte beaucoup de paix autour de moi. Et voilà, s'il y a des infos sur mon développement, hein, ce que je pourrais faire au niveau des soins énergétiques ou pas. Si ça peut être divulgué, Bien sûr. si c'est le moment. Voilà, donc, et je sens qu'on essaye de communiquer avec moi. Les oreilles qui sifflent, bon, les heures miroirs, ça c'est direct, ça n'arrête pas. Donc, de voir un petit peu, ça va peut-être se présenter, qui est la famille d'âme, qui est-ce qui est, d'où je viens. Enfin, tout ça se tourne un petit peu pour me retrouver. Hein, c'est
me retrouver pour savoir un petit peu. J'ai des fois des doutes sur ma connexion à ma présence ou à ma source. Donc, c'est cette confiance en soi qui est un petit peu affaiblie. Voilà. D'accord. Et puis pour finir, voilà, si mes parents sont décédés en 2012, les deux, mon père et ma mère, donc de savoir, voilà, s'il y a un message, si tout va bien, s'il y a quelque chose, voilà, je sens qu'ils m'accompagnent aussi, mais parce que je les reçois dans les rêves, des fois il y a des messages, mais voilà, en gros c'est tout, voilà. Bien. Ok. Très bien. Au niveau des invités, il n'y a que tes parents décédés que tu as envie de... Au niveau des proches, oui. Après, si j'ai un fils de 18 ans... Et... Ah ben, faut. Ben. Voilà. Si c'est peut-être bien aussi d'en profiter, non? Oui, voilà. Je sens qu'il a un petit peu de mal à avancer. Alors, est-ce que c'est moi... Ah ben oui, justement, c'est important. Son élan aussi, voilà. Au moins que nous l'invitions et que... S'il accepte d'en profiter, bah c'est bien qu'il en profite. Bah ouais, ça serait génial. Il est ouvert un petit peu à tout ça ou pas du tout? Un petit peu, mais pas. Je lui parle, mais voilà. Pour l'instant, c'est les copains et. Normal, normal. Et bon. Voilà, voilà. Ok, ben nous verrons ça. Ok, bah voilà. Bon, et ben écoute, je t'invite à couper le son, puis nous on part pour l'aventure. Alors le son, toc toc. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 220. 220. Je te laisse augmenter. Ok, 18 400. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 278. Ok, je m'aligne sur toi, bien sûr. C'est bon. Bien. À présent, connecte-toi sur Olivier et dis-moi comment tu le vois. Il est l'objet de toutes les attentions. Il est comme un aimant. Je veux dire par là qu'il attire l'attention. C'est un peu comme une lumière au milieu de la nuit. Il y a beaucoup de regards et d'intérêts qui sont portés sur lui, ou plus exactement sur le type d'énergie qu'il dégage. D'accord. Et par quelle attention tu parles? Qui s'intéresse à lui? Des sortes d'entités sombres. Velu. Oui. C'est des sortes de chauves-souris, mais velu sur le corps. Il y a des sortes de poils fins sur le corps. C'est sombre, marron foncé. Mmh. Les ailes, par contre, sont lisses. Ça tourne autour de lui. Ça s'intéresse beaucoup à ce qu'il est. Ces choses-là. Ces êtres-là aimeraient bien s'approcher plus près, mais ils ne le peuvent pas, ils guettent la faille, en tout cas. D'accord. Qu'est-ce qui l'intéresse en lui? Il y a une sorte de lumière surnaturelle qui émane de lui, qui n'est pas de type terrestre. Et qui, de par sa nature même, attire l'attention. Il n'y a pas que ces êtres-là, il y a des présences démoniaques aussi. Mmh. Des présences reptiloïdes aussi. Tout ce monde-là est autour et tente de le toucher. Ils sont tous très curieux, il y a une grande curiosité et des tentatives aussi de récupérer des parcelles de son énergie. Mmh. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait une incompatibilité,
et c'est pas la même fréquence. Ils arrivent de temps en temps à capturer comme des fragments, mais qu'ils n'arrivent pas à garder. Il y a trop de différences de fréquence. Ça s'évanouit entre leurs doigts. D'accord. Ils arrivent à saisir et quand ils croient qu'ils peuvent emprisonner, ça disparaît. Mais D'accord. il y a beaucoup de tentatives qui sont faites. Et il y a beaucoup de tentatives aussi qui sont faites pour abaisser ces fréquences, pour pouvoir la saisir, pour pouvoir s'en saisir. Ok. Est-ce que certaines y sont parvenues? Non, à chaque fois, ça se dissout. C'est un petit peu en termes de consistance. C'est un petit peu comme si son énergie était comme de l'eau et que ces entités-là essayent de récupérer cette eau. Pour pouvoir la récupérer, ils essayent de la transformer en gel, de la géléifier en faisant baisser ses fréquences. Donc il y a toujours un moment donné où ça marche d'une certaine façon et où un petit peu de cette énergie sous forme de gelée est arrivée à être récupérée et sa partie subtile à lui réussit à chaque fois à reliquéfier son énergie et tout disparaît, ça leur coule entre les doigts comme de l'eau. Très bien. Par contre, ça le dérange, ces tentatives successives. Ça le dérange, ça vient le détourner de ce qu'il a à faire. Ça vient le bousculer. L'inquiéter, ça l'inquiète aussi. C'est une des causes de ce qu'il appelle la procrastination. En quelque sorte, c'est-à-dire que pendant qu'il est occupé à gérer ce que je viens d'expliquer, il ne peut pas agir concrètement pour lui. D'accord. Ça le freine. Il est toujours en mode défensif, en gardant. Il y a comme deux couches. À l'intérieur, il y a cette stabilité intérieure qui le travaille à maintenir à tout prix. Et à l'extérieur, il y a cette couche défensive qu'il a mise en place, comme dans la partie extérieure de sa bulle énergétique. Et c'est ça qui lui prend de l'énergie. D'accord. Donc Ok. malgré tout, il arrive à fonctionner de façon stable, mais au prix d'une dépense d'énergie qui ne devrait pas être aussi importante. D'accord. Alors, si tu scannes tous ces corps, est-ce que tu vois malgré tout quelques dispositifs ou quelques énergies ou choses qui n'appartiennent pas à ces corps? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'un il y a comme une sorte de, on pourrait appeler ça un périscope, qui est situé en arrière des globes oculaires. À la fois, ça fait partie de lui, puisque ça a été décidé en amont de l'incarnation, mais ce ne sont pas ces entités-là, présentes. Donc, qu'on vient d'évoquer, qui en sont à l'origine. D'accord. Alors, elles ont été installées pourquoi? Enfin, ce périscope a été installé pourquoi? Pour le suivre dans son parcours sur le plan terrestre. Ses mentors, en quelque sorte, mais tous font partie du même peuple, qui ont installé ce dispositif-là avec son accord,
un petit peu comme si tu allais en pays inconnu et que tu avais accepté de porter en permanence avec toi une GoPro sur le front, quelque chose comme ça. D'accord. Une caméra GoPro. Ouais. Alors, quand tu parles de ces mentors, j'aimerais que tu regardes de qui il s'agit. Depuis le début, il y a cette énergie bleue et blanche, avec un éclat assez lumineux, mais pas d'une luminosité terrestre. Il a une énergie adolescente. Il est jeune. C'est pour ça que c'est la première fois qu'il vient et c'est comme s'il avait eu besoin d'avoir pas vraiment une surveillance, mais en tout cas comme une sorte de soutien à distance et qui, pour pouvoir intervenir, doit être assorti effectivement d'une sorte de surveillance en protection. Quand tu dis que c'est la première fois qu'il vient, c'est sa première incarnation, c'est ça que tu veux dire, sur Terre? En tant qu'humain sur le plan terrestre, oui. D'accord. Alors regarde ses mentors, regarde cette origine. D'où est-ce qu'il vient alors? Ses mentors, c'est comme si c'était ses professeurs, quelque chose comme Ouais. ça. Ben regarde où sont-ils? Sur quel plan? Dans quel monde? Univers. Ils sont en septième dimension, mais c'est le lieu d'observation. Sinon, c'est plus haut. C'est comme s'ils étaient descendus dans cette dimension-là. Oui. Sinon, c'est la neuvième. Et le point d'origine, c'est les Pléiades. D'accord. OK. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire? Alors, pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est à la fois en apprentissage et en observation, mais aussi, il y a plusieurs fonctions. C'est pas simplement un apprentissage pour rapporter ensuite l'information ou qu'il puisse le faire évoluer lui-même. C'est comme s'il était en avant-garde, en poste d'avant-garde de toute une faction dont il est l'élément le plus jeune et pour laquelle il a accepté donc de descendre là sur le plan terrestre en incarnation humaine. Il y a aussi cette volonté de transformation, de transmutation. Oui. De transmutation de... C'est en lien avec la matrice artificielle. D'accord. Il y a des tentatives, il y a des études et des tentatives d'alignement. C'est comme s'il y avait plusieurs, tu sais, quand tu mets plusieurs grillages les uns devant les autres. Et que ces grillages sont mouvants. À un moment donné, il peut y avoir des alignements où là, tu peux passer un fil et avoir une transmission directe. D'accord. C'est ce type de choses en fait qu'il est venu faire. Donc c'est imagé ce que je suis en train de décrire, Bien mais sûr. énergétiquement, c'est quand même ça correspond à ça. Pour créer des connexions et faciliter la communication, c'est ça, avec les parties supérieures? Oui. Sur le plan terrestre, est-ce que tu connais la fracturation hydraulique? À peu près. C'est un petit peu le même principe. Sauf que là, ça serait de la fracturation hydraulique de la matrice artificielle et non pas d'une roche. D'accord. Comment compte-t-il s'y prendre pour ça alors? Il y a plusieurs éléments comme lui qui sont présents dans l'espace terrestre à créer, ou en tout cas en cours d'étude de création de ces alignements
qui ont pour objectif de faire cette fracturation, de créer des failles dans cette matrice artificielle. Combien est-ce qu'ils sont à peu près d'éléments comme lui? Alors, c'est difficile à dire parce que il y a eu, il y en a et il y en aura. Et il y en a qui sont présents en incarnation, mais qui ne sont pas encore activés. Qui ne sont pas conscients peut-être de leur fonction, c'est ça, de qui ils C'est sont? ça, c'est Oui. ça. Ok. Autrement, globalement. Si on comptabilise tout, c'est plusieurs milliers. Mais vraiment conscient et en activité, ça descend seulement à plusieurs centaines. D'accord, sur le monde. Oui. Ok. C'est en accélération. Donc, ils ont choisi cette époque donc, que nous vivons actuellement pour venir s'incarner. Oui. Voilà. Comment c'est perçu du point de vue de ces congénères qui sont restés en observation des Pléiades, enfin en 7e D, puisqu'ils sont descendus pour s'approcher du plan terrestre en observation? Comment est-ce qu'ils perçoivent cette situation justement que nous vivons actuellement de cette histoire de Covid, des systèmes de contrôle qui sont mis en place, de cet irrespect de la vie humaine, comment c'est perçu de leur côté aujourd'hui? Il y a un point délicat de bascule qui à la fois est une opportunité et qui à la fois représente un grand danger. C'est-à-dire que ça peut basculer aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est comme une opération chirurgicale. Il y a des moments précis d'intervention, mais il suffit que le scalpel dévie d'un millième de millimètre et ça passe à côté. Ok. Alors, puisque nous y sommes, j'aimerais que tu regardes du point de vue de la conscience collective actuellement, avec ce qui est mis en place, avec ces jeux médiatiques, avec ces manipulations vis-à-vis du prétexte du Covid. J'aimerais que tu regardes où en est la conscience collective par rapport à ce contexte. La conscience collective humaine est endormie. Il y a une sorte de programmation hypnotique qui est activée sur l'ensemble de on va dire de la masse humaine. Je parle de masse parce que c'est réellement comme une masse lourde et inconsciente qui se laisse diriger et mener sans conscience. Et il y a aussi ceux qui sont des éveilleurs. Oui, il y en a peu. Quel pourcentage tu vois dans la globalité des êtres plus conscients? 3 à 4%. 3-4%. Est-ce que ces 3-4%, même s'ils ne sont pas nombreux, pourraient amener à faire une différence? C'est pas seulement ces 3 ou 4% qui pourraient être amenés à faire une différence. C'est comme une forteresse que tu dois en fait faire fissurer et attaquer de plusieurs faces sur plusieurs faces. Donc ce que tu appelles les éveilleurs, ces 3 ou 4%, ne représentent qu'un des aspects. D'accord. Quels sont les autres aspects alors? À des autres aspects, ce sont des actions menées comme celle dont fait partie Olivier, même à son insu, de sa partie physique, peu importe, puisque ce n'est pas sur ce plan-là précisément que ça se joue, c'est en amont, c'est sur le D'accord. plan éthérique. Il y a aussi comme une sorte de... À l'intérieur de cette masse,
inerte, inconsciente, il y a des potentialités qui sont non activées, qui sont plus conscientes, qui sont au centre, qui sont plus conscientes que cette masse extérieure, mais qui pour l'instant se tiennent immobiles, subissent en quelque sorte, ne disent rien, mais ça reste un potentiel d'explosion de cette situation présente. Quel pourcentage tu vois là dans ce potentiel non activé ? 20%. 20%. D'accord. Ils n'en sont pas conscients, je suppose ? Non, parce que isolés les uns des autres. Qu'est-ce qui pourrait activer ce potentiel ? Ils sont verrouillés par une programmation d'isolement. Programmation qui est de type je suis seul, isolé, moi seul et conscience de certains éléments. Et si je me lève, je vais me faire broyer parce que je suis seul. Ça, c'est une programmation. Ils sont verrouillés par cette programmation-là. D'accord. Ok. Alors, si on en revient donc à Olivier. Oui. Alors, que vois-tu d'autre ? Donc, tu as dit qu'il y a derrière ces globes oculaires, donc cette espèce de périscope. Mm-hmm. Voilà. Donc, il y a l'avantage pour ces parties supérieures, ou en tout cas ses pairs, de pouvoir observer donc sa présence sur Terre et ce qui s'y passe, d'être observateur. Est-ce que ça a en même temps un inconvénient pour lui du fait de ce dispositif ? Ça agit, c'est comme s'il voyait mieux sur d'autres plans que sur le plan physique. Ça vient affecter sa vision. C'est relié, alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui court le long de la colonne vertébrale et qui va jusqu'au chakra racine. Oui. C'est relié à cette sorte de périscope. On regarde de quoi il s'agit exactement, quelle est sa fonction ? Il y a un système d'alignement, c'est pour ça que ça passe auprès de tous les chakras. Il y a un système d'alignement qui passe, c'est-à-dire que les informations sont transmises par cette sorte de dispositif qui est derrière les globes oculaires et qui est à la fois un émetteur et un récepteur. Et de là passent des énergies de rééquilibrage auprès de ces chakras. Pour autant, il y a quand même deux points de blocage, un au niveau du plexus solaire et un au niveau de la gorge. Qui viennent d'où ? Ça coince là, c'est comme si c'était resserré. Oui. Qu'est-ce qui provoque ce blocage ? C'est des points de pression qui viennent de l'extérieur de lui. Comme oui. des pics, tu sais, ces pics qui sont pour attiser le feu dans la cheminée. D'accord. Il y a une sorte de pic qui vient faire pression, mais sans percer, sur ces deux chakras-là. Oui. Et autour du chakra du cœur, il y a une sorte de grille qui s'ouvre et qui se ferme. Et qui sert à quoi ? Ce sont des tentatives d'abaissement de ses fréquences pour pouvoir récupérer son énergie à la source. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème ? Ça lui pose des problèmes d'adaptation au plan physique.
l'élémental de son corps physique a du mal à s'adapter au plan physique. Il doit faire des efforts, il est en compensation, en effort de compensation constant. Ok. Alors, ce dispositif qui part de la colonne vertébrale, qui aligne donc ses chakras pour faciliter les communications avec ses parties supérieures, il s'agit bien de cela? Oui. Comme c'est un dispositif artificiel, est-ce que ça a une contrepartie qui a un coût pour lui? À l'origine, c'était fait pour le maintenir à un état optimum. Comme une amélioration, en fait. C'est ça. C'est ça, oui. Mais... Sauf que ce système-là a été devient défectueux, en fait, du fait de ces autres dispositifs qui viennent affecter son fonctionnement. D'accord. Autrement, sans l'intervention de ces dispositifs, c'est quelque chose qui fonctionnerait bien et qui ne provoquerait pas de, on va dire, d'inconvénients pour lui. Non. Ok. Ce serait une aide, c'était prévu pour être une aide à l'adaptation sur ce plan physique en 3D. D'accord. Puisque la nature de son essence est comme trop légère pour pouvoir résister à long terme à la densité de la 3D. Ok. Très bien. Alors, est-ce que tu vois d'autres choses? Si tu le scannes, continue à regarder, dis-moi si tu as d'autres informations qui pourraient nous être utiles. Pour l'instant, non. Non. Bon. Simplement le fait qu'il y ait des dysfonctionnements par rapport à ce système de régulation, ces corps subtils ne sont pas disposés très régulièrement. C'est toujours en effort d'adaptation et de compensation. Ça, c'est une perturbation due à ces dispositifs, enfin à ce déprédateur, ou c'est plutôt une difficulté d'adaptation sur ce plan? C'est les deux. Les deux, d'accord. Bon, eh bien, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'Olivier. C'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, en son nom, puisqu'il me prête son pouvoir le temps de cette session, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archaïque. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes visibles. 1, 2, 3. Il y a toutes celles que j'ai citées tout à l'heure qui sont présentes autour de lui. Qui sont les responsables de ces dispositifs que tu as vus? Les reptiloïdes. Ceux qui ressemblent à des chauves-souris essayent plus d'agir directement, plus en corps à corps et en brutalité directe, en essayant de repousser. C'est oui. Comme s'ils avaient moins de technicité. D'accord. Moins de finesse. Moins de technologie. Moins de technologie. Technologie, d'accord. Ok. Et alors, ils ont réussi à faire quelque chose, lui, ou pas? Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont arrivés à récupérer des parcelles de son essence, mais qui ensuite s'est évaporée. D'accord, très bien. Donc au final, ils n'ont rien. Alors, en plus de celle que tu as vue, donc jusqu'au plan archaïque, qui vois-tu d'autre? Il y a des sortes de démons qui sont là. Oui. Et des sortes d'araignées aussi qui sont là. C'est bizarre. D'accord. Avec des...
C'est ce type d'araignée, tu sais, qui n'a pas des pattes très très longues, mais plutôt épaisses et velues. Genre tarentule. Oui, c'est ça, oui. Et elles ont une action sur... Qui reste comme courir au plafond, tu sais, coller au plafond. Et elles ont une action sur lui ou pas? Elles ont une action dans le sens où elles déroulent des sortes de fils pour l'emprisonner dans une sorte de cocon. Ah, d'accord. Elles y Donc sont parvenues? ces fils-là, ils sont collants, gluants. Il y a une sorte d'acidité, mais c'est resté à l'extérieur de son espace énergétique. Ça ne l'a pas traversé. D'accord. Mais pour autant, c'est venu quand même affecter, comme mettre des marques sur l'extérieur de son espace énergétique. D'accord. Alors, en dehors des araignées et des démons, que vois-tu d'autre? Donc ces sortes de chauves-souris qui sont là. Ça vole, il y a des bruissements d'ailes. Il faut que je remonte plus loin. En arrière-plan, il y a encore d'autres types de démons plus grands, plus puissants. Et encore au-dessus, les archontes. Ça fait tout un comme une sorte de bestiaire, on peut dire ça comme ça, assez sombre, ils ont tous les yeux rivés sur lui, sur sa lumière, Olivier, mais sans parvenir à, malgré tous leurs efforts, à l'affecter vraiment. Ils sont arrivés simplement à l'affaiblir, mais à chaque fois, ils rééquilibrent. Et ils le freinent aussi, à l'affaiblir, le freiner et l'isoler en partie aussi, le maintenir isolé en partie. Ok. Bon. Alors, il va déclarer qu'il rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, par toutes les portes cachées et tout ce qui est secret. Et bien sûr, dans tous ces états de conscience. Il ouvre un portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, tous les dispositifs vus et pas vus, tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine et à ses énergies d'origine, donc s'en vont avec les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Tout a été comme aspiré. Bien. Il n'y a plus rien. Alors, on va le mettre dans une bulle christique. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa Oui. et se connecte à sa source originelle. Oui, c'est fait. Il va prendre de l'énergie des deux plans, il va se ravigorer, réparer ce qui doit l'être, reprendre de la force, de la puissance et de la conscience. Il se déploie, son énergie se déploie. Elle reprend de la force aussi. C'est bon. Bien. À présent, j'aimerais savoir son soi supérieur, où réside-t-il et dans quel état il est. Le soi supérieur est sur le plan moroncial. Il a comme délégué. Il ne s'occupe pas directement de la partie physique de Olivier. Il a délégué cette fonction-là à des. Ses mentors. C'est ça. Mais qui en même temps, c'est comme s'il y avait eu un accord entre plusieurs soi supérieurs.
Et avec, c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux. Donc, à la fois, il y a délégation par rapport à d'autres manifestations de lui-même, mais en accord avec d'autres manifestations, d'autres soi supérieurs qui D'accord. sont en neuvième dimension. Très bien, regarde son âme, comment tu la vois? Elle est tout proche de lui. Elle reste à l'abri en quelque sorte dans son espace énergétique. D'accord. Ok. Et sa partie subliminale? Elle est en questionnement. Elle tente des sorties. C'est-à-dire que dès qu'elle le peut, elle fait des allers-retours entre la septième dimension et la troisième. Mais ça n'est pas toujours possible. Pour faire quoi? Pour communiquer avec ceux que j'ai appelés ses mentors, c'est comme une sorte de reporting. Comme si elle était chargée de ça, mais qu'elle n'arrivait pas à le faire aussi de façon aussi fluide que c'était prévu que ça se fasse au départ. D'accord. Très bien. Ok, donc là tu me dis que c'est sa première incarnation en tant qu'humain sur Terre. Hein? Oui. Il est venu directement donc du plan des Pléiades. Oui. J'aimerais qu'on aille faire un tour sur les Pléiades. Donc je compte à 3 et tu y vas. Au moment où il est encore sur les Pléiades. 1, 2, 3. Oui. Comment le vois-tu? Quel est son aspect? Jeune, c'est un jeune homme. Si on pouvait comparer à un âge humain, bien que ce n'ait aucun rapport, c'est comme s'il avait une correspondance d'âge humain à 14-15 ans, 14-15, 16 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Il est en apprentissage. Ok. Il est brillant, comme s'il était le premier de sa promotion, quelque chose comme ça. C'est toujours pour faire des analogies avec ce que nous on connaît sur le plan terrestre. C'est pour ça qu'il a été décidé, cette situation actuelle que la partie physique vit maintenant. Il est en apprentissage de quoi alors? De ce qui se passe ailleurs sur d'autres plans et aussi c'est comme si cet espace terrestre était une création quelque part. C'est comme si l'espace terrestre venait des Pléiades. C'est bizarre. Prendre l'information là-dessus. Regarde, pourquoi est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est comme si ça avait été décidé dans la constellation des Pléiades qu'il y ait la mise en place de ce jardin d'expérimentation qu'est la Terre. D'accord. Sauf qu'il y a eu, c'est comme si ça avait échappé. Les communications se sont brouillées. Et cette création-là s'est échappée en partie et a été happée par d'autres conscience beaucoup moins lumineuse, et c'est là où s'est mis en place cette matrice artificielle. D'accord, donc si j'ai bien compris, originellement, la Terre est comme un jardin qui a été créé par des Pléiadiens. Pas que, mais Ah. c'est le berceau. Il y a eu, c'est très vaste les Pléiades. Donc là, je suis dans la neuvième dimension
et il y a eu comme une décision collégiale, quelque chose comme ça. Qui sont donc appliqués dans ces décisions, à part les Pléiadiens, qu'y a-t-il d'autres ? Il y a Arcturiens qui sont impliqués aussi. Il y a Stella, je ne sais pas pourquoi ce mot-là vient, Stella. Il y a des Vénusiens aussi qui sont là, des êtres qui viennent de là lire. Alors c'est pas évident parce que c'est comme s'il y avait eu plusieurs sortes de conseils successifs avec plusieurs décisions successives. D'accord. Quelle était leur intention en créant cela? C'était quoi leur objectif? C'est comme quelque chose de naturel. La création de lieux de vie, la création de monde, la création de nouveaux plans, de nouveaux lieux d'expérimentation, d'expansion de la vie. C'est un mouvement cyclique naturel. Ce qui est décidé au cours de ce type de conseil, c'est la façon dont ça va se mettre en place et le lieu. Mais sinon, c'est quelque chose qui est comme un mouvement naturel. C'est comme si l'univers est vivant et à chaque battement du cœur de l'univers, il y a un nouveau lieu de vie qui se crée, qui se met en place. Alors, est-ce que il y a d'autres planètes comme la Terre qui ont été créées, justement? Oui, puisque ça se fait dans la multidimensionnalité. Donc, chaque fois qu'une création est mise en place, elle ne se fait pas que dans une dimension. Elle se fait dans la multidimensionnalité. Mais donc, je parle d'une planète comme la Terre en 3D. Je ne parle pas dans les dimensions supérieures. Est-ce qu'il y en a actuellement en 3D qui existe quelque part dans cet univers ou dans d'autres? Il y en a et dans cet univers et dans d'autres. D'ailleurs, dans cet univers, il y a plus de ce que l'on nomme les planètes que ce qui nous est appris. Il y a d'autres. Est-ce qu'elles sont habitées par des humanités comme un peu comme la nôtre ou... Oui. Et je veux dire, dégager de la matrice, ou pareil, non, au sein de cette fausse matrice. La plus impactée, c'est la Terre, c'est notre Terre. Il y a d'autres planètes qui ont de fortes similitudes avec la Terre et qui sont comme des bases arrières. Des bases arrières pour qui ? Pour des êtres plus sombres qui sont en, comme des sortes de parasites et qui sautent de planète en planète, qui élargissent leur territoire, qui envahissent et qui se servent comme des soldats, ou c'est comme des... Tu sais, ces invasions de cricket sur les champs qui dévastent tout. Quand un lieu est dévasté, il passe à un autre, etc. D'accord. Et parmi ces planètes, est-ce que tu en vois qui sont libres, qui ne sont pas encore interférées, qui sont plus en harmonie? Dans notre univers, en 3D? Oui. Non, il y a des présences de ce type. Sombres. Donc elles sont dans la dualité également? Oui, ils ont établi des bases partout. Et dans d'autres univers, est-ce que tu en vois qui sont
parfaitement libre et en harmonie. Dans d'autres univers, oui. D'accord. Habité par des êtres humanoïdes. Oui, la forme humanoïde dans la manifestation sur un plan physique semble être la plus adaptée et la plus courante, mais pas tout à fait semblable aux humains. C'est comme s'il y avait une base humanoïde avec de nombreuses variantes. Et parmi les habitants d'une de ces planètes, est-ce que ceux qui ont été incarnés en tant qu'humains sur Terre peuvent y transiter également? Ça fait partie de leur expérience? C'est une possibilité, oui. Oui. Une possibilité, ou est-ce qu'il y en a? Il y en a. D'accord. Ok. Bon, reviens ici et maintenant. Oui. Bien. Alors, tu m'as demandé, donc tu m'as dit que le soi supérieur a délégué, donc je dirais sa fonction à ses mentors. Moi, je veux savoir d'où il est juste de partir. D'abord, est-ce que je m'adresse à ses mentors ou est-ce que je m'adresse à son soi supérieur? Prendre l'information et regarde qu'est-ce qui est le plus adéquat pour lui. L'élève est devenu plus fort que les maîtres. Il n'a plus besoin de ses mentors. Donc on peut dire qu'il peut se... On peut s'adresser directement à son soi supérieur. Oui. Bien. Alors je vais m'adresser à son soi supérieur. Demande-lui quelle est la meilleure action pour lui, pour l'aider dans ce qu'il est venu chercher. Est-ce que c'est de partir du plan morentiel ou partir du plan pléiadien ou autre? Il peut repartir du plan pléiadien en changeant les conditions. Oui, puisqu'il n'a plus besoin de cette assistance. De quelle manière pourrait-on changer ses conditions en partant du pléiadien? Aller directement dans la neuvième dimension. Oui. Du départ, avant que tout commence, de cette sorte d'université ou d'école où il se trouvait. Tu veux dire avant sa manifestation sur les Pléiades? Ou déjà non. En étant en manifestation? Déjà en étant en manifestation. Et en partant donc avant ce projet d'aller sur Terre, tu veux dire? Oui, avec ce projet d'aller sur Terre, mais dans d'autres conditions. C'est comme si rien n'était vain. C'est-à-dire que si on peut faire le parallèle avec un jeune homme qui apprend à conduire, il va faire des trajets avec une voiture auto-école et avec le moniteur qui a les doubles commandes. C'est comme si, jusqu'à présent, dans cette incarnation terrestre actuelle, il avait été dans cette situation-là. Mais maintenant il peut repartir en maître, tu veux dire, c'est ça? C'est ça, il a appris et il peut repartir sans cette assistance. Très bien. Ok. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons partir de cet endroit. Je vais compter à 3. Et tu vas aller à ce moment-là où il est, bien sûr, dans cette situation où il n'est plus en formation, en adolescence. Il est dans maître de lui-même. Je compte à 3 et nous y allons. 1, 2, 3. Oui, il y est. Bien. Alors, demande-lui si pour lui, il a bien compris que nous allons... Je vais lui proposer d'aller directement à l'orée de son incarnation en tant qu'Olivier pour la refaire à neuf dans les conditions optimum de liberté et de maturité. Oui. C'est correct pour lui? Oui.
Alors nous y allons. Je compte à 3 et nous allons juste avant son incarnation. 1, 2, 3. Il y est. Bon, alors on va considérer bien sûr qu'il s'agit d'une nouvelle ligne de temps. Donc dans cette nouvelle ligne de temps, avec ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont maintenant ses projets pour cette incarnation. Ce sont toujours les mêmes que ceux décrits précédemment, mais cette fois-ci les faire en autonomie. D'accord. Et ainsi, il est beaucoup plus puissant et il récupère alors, toute sa puissance. Bien. Alors, est-ce qu'il peut reformuler ce projet, même si j'ai déjà entendu ? Créer des failles de fracturation dans la matrice artificielle. Je note. Hein. D'accord. Dans les buts de... Dans le but de lever la pression, de faire sauter cette pression qui est tout autour de l'espace terrestre, qui vient l'étrangler, l'étouffer. Très bien. Alors, c'est le moment d'aller dans la physicalité. Dis-moi à quel moment. C'est comme apporter de l'oxygène à l'espace terrestre. Bien, beau projet. Alors, je veux pour ça qu'il se... Alors, je veux qu'il s'allie, avant d'y aller, à toutes les entités, à toutes les présences, comme lui, mais même les autres, tu parles des 20% qui sont encore endormis, assoupis par ce contrôle. Je veux qu'il soit connecté à toutes ces présences-là, qu'ils soient sur Terre, ou en intra-Terre, ou extra-Terre, ou même sur les Pléiades, qu'ils se connectent à toutes ces présences, qui sont dans cette intention de libérer la Terre de cette matrice artificielle et de tous ces prédateurs. Oui, ça se fait instantanément. Voilà. Je veux qu'ils transmettent l'information de son intention, l'information aussi de ses connaissances et de ses compétences. Oui. Et peut-être même que nous pourrions, on va le faire peut-être en fin de séance. Donc pour l'instant, nous allons nous occuper de lui. Et il va entrer dans sa physicalité. Dis-moi à quel moment il choisit d'y entrer. Donc en étant à 100% dans ce corps. Et il transmet l'information de tout ce qui est, de tout le processus qu'il est en train de vivre pour que ça profite à chacun. Chacun suivant bien sûr sa position, adapté bien sûr à sa situation et dans ce qui est juste et bon pour chacun. Toujours dans l'objectif d'élargir cette faille, de créer cette faille au sein de cette matrice pour pourquoi pas contribuer à sa délivrance. La délivrance de la Terre et des consciences qui l'habitent. Il vient juste au moment de la conception humaine. D'accord. Il est connecté à quel pourcentage à ce moment-là ? 98%. Ah oui, il n'a rien perdu. Ok. Bon, il se connecte à 100%. Oui. Maintenant, il va regarder son arbre généalogique et décider de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut le couper partiellement, entièrement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre ? Il le réaménage, il le transmute. Très bien, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Bien, maintenant il regarde son ADN. Alors, que décide-t-il de faire pour cet ADN ? Est-ce qu'il veut le remplacer, le refaire à neuf ? Ou est-ce qu'il veut le réaménager, transmuter, etc. Il refait... Il remplace en quelque sorte 35% et le reste, il le réaménage, il le transmute. Très bien. Alors qu'il le fasse. Pour les 35%, est-ce qu'il y a besoin de prendre le gabarit de l'arbre de création pour qu'il le refasse suivant le meilleur schéma ? Ou est-ce que pour lui, c'est bon ? Oui, alors qu'il le fasse.
qui choisissent la meilleure version possible pour ces 35%. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, nous allons approcher de sa naissance. Oui. Je veux que tu me dises à quel pourcentage il est connecté à sa naissance à ce moment-là. 82%. Voilà, c'est normal. Donc, il va se connecter à 100% et vérifier ses racines. Donc, ses racines, bien sûr, programmées uniquement pour cette existence. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, il vient au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel tout autour et il vient au monde. Oui, il est là. Il va remonter toute sa ligne de temps en se rappelant, se souvenant de qui il est, de pourquoi il est là. Et dans sa pleine souveraineté, puissance créatrice, sa liberté et son autonomie. Dans sa pleine puissance intérieure. Très bien. C'est bon, il est là. Ok. Alors maintenant, il va entourer cette nouvelle ligne de temps d'un faisceau d'énergie issu de sa propre source. C'est fait. Nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs. Pour cela, il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création avec traces, mémoire et empreintes, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. Donc j'invite donc Jérôme. Non, c'est Olivier. Olivier. Pourquoi je dis Jérôme? Donc j'invite Olivier, c'est marrant, donc à être pleinement présent à ce qui va s'en suivre, participatif, imaginer, ressentir, vivre, enfin au maximum, pour faciliter l'intégration. Donc, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. J'aimerais que tu vérifies si le dispositif qui a été installé, ces fameux périscopes derrière ses yeux, ces globes oculaires, est-ce qu'il est toujours là? Non, c'est plus là. D'accord. Son nom des Pléiades, c'est Kohr, K-O-H-R. D'accord. Ok. Donc, ça n'est plus là, il n'y en avait plus besoin? Non. Ok. Parfait. Alors, maintenant, il va rompre avec les lois matricielles et archaïques du karma, avec tous les archétypes et tous les égrégores dans les mêmes conditions que celles précitées et les lois de conséquentialité. Oui. Pour nous deux, nous rompons également les lois de conséquentialité. 1, 2, 3. C'est fait. Rompre effacé avec racines et système reproducteur. Toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes, les pensées racines, couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison, son équilibre parfait, sur tous les plans. Oui. Tu vas vérifier s'il a des copies ou des parties de lui quelque part. Non. Très bien. Donc on intègre tout ça dans tous les états de conscience. C'est fait. Il déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création
maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la dimension psychologique. Alors, si tout ne le concerne pas, tout va y être quand même cité. Il déclare. Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet, impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le « je » n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur et de succès. » Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Il déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui est besoin. » Tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu du système matriciel en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que tout cela n'est qu'un grand jeu. Oui. À présent, il déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance
dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Nous allons conserver que ce qui est bon et juste pour lui, s'il le désire. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Maintenant, dans cette nouvelle condition, il va entrer dans ses corps comme un téléchargement, jusque dans sa biologie, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment toi, tu le vois de ton côté? C'est une forme humanoïde qui est en train d'intégrer tous les éléments de cette dimension. Il y a les informations qui viennent s'intégrer à lui, qui sont prises en majeure partie sur la fleur de vie, la graine de vie, et qui sont activées par l'arbre de création. Très bien. Donc, pas besoin de connexion ou d'activation. C'est en cours. Oui. Bien. Donc, il va demander à son élémental de procéder aux équilibrages et harmonisations, réajustements, nettoyage, guérison de tous ses corps, de tous ses systèmes, organes, fonctions, de toute sa biologie. Pour cela, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. À présent, connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Très bien. Maintenant, connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. C'est fait. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer un programme de protection anti-ondes et fréquences nocives. Oui. Installer un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui crée autour de son corps émotionnel et mental, donc qui le rend imperméable et crée autour d'eux donc un corps diamantin. Oui. Installer un programme de protection également contre les mouvements et les influences lunaires. C'est fait. Et un programme aussi, une parade au contournement. Oui. Et aussi une alerte, donc au moindre signe et approche d'une direction inadéquate. Oui, ça c'est important de le faire parce que il a une sensibilité par rapport au magnétisme lunaire. Très bien. Alors à présent, il installe un programme également de neutralisation, transmutation ou évacuation de toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour du corps. Oui. Et également un programme de protection contre les influences des ordinateurs, les influences néfastes et de l'intelligence artificielle. Oui. Il va programmer tous ces programmes pour être stable dans le temps et indestructible. C'est fait.
Il déprogramme également pour être adaptable à toute situation et également aux variations des lignes du temps. Oui. À présent, il crée et installe et active son code de vie. C'est fait. Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Il installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Et maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Avant ça, nous éliminons toute trace, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. C'est fait. Bien. À toi de jouer. Il s'installe en fait dans une colonne, c'est une colonne de lumière qui est d'une fréquence plus haute et qui permet de le mettre dans un environnement protégé. Là, il déplace son atlas et ça permet à cette onde de se déployer auprès de chaque vertèbre, de se placer auprès de chacune d'elles, de réinitialiser chacune d'elles, de recréer correctement les reliances entre chaque vertèbre et entre chaque vertèbre et chacune des systèmes, chacun des systèmes et organes auxquels elle est reliée, l'une après l'autre, tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'en bas, arrive au niveau du coccyx, il y a simplement une poussée un peu plus puissante de cette onde pour venir éliminer comme des couches grises qui s'étaient accumulées là, des couches mémorielles. Mais elles n'étaient pas si épaisses que ça. C'est bon. Très bien. Attends, juste le temps de noter quelque chose pour ne pas oublier. Hop, 2 minutes. Hein. Voilà. Très bien. Donc, il va enrouler d'un double sinusoïde sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal. Donc, d'un double sinusoïde issu de sa propre énergie. C'est fait. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux dans lesquels il va travailler. Dans le détail et dans le global de chacun des systèmes, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Mmh. Il va travailler pour chacun, il va travailler comme par annule et remplace chacun des systèmes. Oui. Très bien. Et nous allons éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, pour chaque système, il peut se servir de l'arbre de création pour les refaire à neuf, suivant donc le gabarit de la perfection divine initiale. Système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Système sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et inhérent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire et évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui.
Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Nous allons éliminer d'abord toutes les programmations dans les mêmes conditions que précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Pour les systèmes extrasensoriels, donc protection et sécurisation des canaux et activation. Sécuriser et activer. Très bien. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bio-électrochimique. C'est fait. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Très bien. Tableau général de tous les systèmes. Oui. Et maintenant, c'est l'ostéopathie générale. Oui, il se base sur une sorte de son mélodieux. Comme une sorte de diapason, mais pas un diapason de type humain. Ça émet une fréquence extrêmement mélodieuse, non audible à l'oreille humaine, et qui permet à tout son corps, à tous ses corps sur le plan terrestre, de s'accorder les uns avec les autres. Ça crée des micro-mouvements au niveau de son physique, ça vient comme réorganiser chaque tendon, chaque muscle, chaque organe, chaque cellule. Tous les éléments de son corps viennent se positionner différemment, en douceur, ils viennent se caler, s'accorder. C'est fait. Très bien. Alors, la micro-kiné. Ça vient vérifier et finaliser le positionnement de ces corps subtils en harmonie. C'est fait. Massage métamorphique. Oui, ça met en place une base énergétique immédiatement disponible et à disposition. C'est bon. Bien. Alors à présent, on va faire les systèmes des chakras avec les glandes associées. Chacune des glandes va être décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Dans chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Chakra souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en vois-tu? 12. C'est bon. Très bien. Maintenant, on va travailler sur le féminin sacré, masculin sacré et féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique. Avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant, il va rééquilibrer donc les deux polarités avec l'implant neutre. Équilibré. Très bien. Et pendant que son élémental continue à travailler, nous allons aborder les points qu'il a évoqués. Mm-hmm. Est-ce que tu es prête? Oui. Ok. Très bien. Alors, dans les points qu'il a abordés,
Donc, il a des crises d'angoisse. Enfin, il a eu des crises d'angoisse qui reviennent de temps en temps. Regarde, enfin, la nuit, hein, regarde d'où ça vient, ça. Tu sais, il avait cette sorte de grille là autour du Ouais. cœur qui se serrait et s'ouvrait et se serrait et s'ouvrait. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est sensible aux influences lunaires. Donc, la nuit, il y a quelque chose qui se passe où à la fois il y a c'est comme s'il y avait moins d'attention. Il se met en une partie de lui qui se met en repos en quelque sorte et qui laisse la place à d'autres forces qui peuvent venir ou qui tentent en tout cas de venir le capter. Mais le capter comme on pêche un poisson, tu sais, un poisson qui est dans la nasse et on resserre la nasse et on tire. Et le tout, quand ça se passe la nuit, aidé par les énergies lunaires. D'accord, ok. Très bien. Donc ça, c'est dans l'ancienne ligne de temps. Dans cette Oui. nouvelle ligne de temps, comment est-ce que tu le vois? Alors déjà, il n'est plus du tout affecté par les énergies de la lune. Et il n'y a plus aucun dispositif sur lui. Il n'y a plus de pression possible en fait sur lui. Il n'y a plus d'accroche possible. Donc il n'y a rien qui se passe à ce Bien. niveau-là. Alors, est-ce qu'il reste malgré tout des mémoires? Est-ce qu'il reste des traumatismes au niveau de l'élémental, de la conscience cellulaire, de la cellule mère, organique, systémique, autre? Il reste le traumatisme de la peur d'avoir peur. Très bien. Alors, nous l'éliminons. Allez, partout où elle se trouve. Où il se trouve. 1, 2, 3. Dans les mêmes conditions sous tous les plans. C'est parti. Très bien. Regarde maintenant s'il y a d'autres choses qui demandent à être éliminées ou transmutées. Il y a quelque chose, il y a ça pouvait se passer parce que ça venait s'appuyer sur une ligne de faiblesse qui est cette volonté. C'est comme s'il était trop méticuleux. Et c'est à la fois une force et c'est à la fois une faiblesse. Ça part d'une porte, tu veux dire? Oui, ça part de la peur de ne. C'est comme un adolescent qui passe un examen. C'est la peur de ne pas réussir l'examen de passage. Et Peur de donc, mal faire, etc. c'est ça. Et donc, on démultiplie, on observe au microscope, méticuleux le plus possible. Alors, c'est à la fois correct et à la fois, quand c'est dans l'excès, ça représente une faiblesse. Ok. Regarde d'où origine cette peur qui constitue cette faiblesse. L'origine, elle vient de son état précédent d'adolescence, avec ce challenge important. Qu'il portait en lui de devoir réussir à tout prix. Ok, donc on va éliminer ça. Tu vas essayer de tracer une ligne, nous l'éliminons. Donc avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif, répétitif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3, et dans toute la dichotomie. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, il va s'installer un programme de confiance. Il va d'abord regarder son corps. Alors avant ça, d'abord je veux que tu regardes s'il y a des programmations, quelles qu'elles soient,
qui sont limitantes, aliénantes, séparantes, enfin, etc. Tout ce qui ne permet pas d'exprimer son meilleur potentiel et la meilleure expression de lui. Il y a des programmes, oui, de séparation, mais de séparation. Tu sais, quand les scientifiques observent quelque chose au microscope, ils préparent ce qu'on appelle des lamelles. Mmh. Et il a cette structure au niveau mental, mais en fait, ce sont des programmes de mise en place de lamelles d'observation. Et alors, c'est limitant pour lui? Quand c'est trop démultiplié, oui, c'est limitant. D'accord. Et il souhaite s'en débarrasser? Pas s'en débarrasser, mais l'équilibrer. Très bien. Alors qu'il fasse ce qu'il faut pour l'équilibrer. Quand c'est trop démultiplié, ça freine. Mmh. Mais stabiliser, c'est très efficace. Ok. Donc il en garde les qualités. Et c'est bon, c'est fait, c'est correct. Très bien, parfait. Alors, est-ce que tu vois d'autres programmations? Il y a une sorte d'obligation de réussite, mmh, qui est freinante aussi, ça, un programme aussi. Ok, cherche dans son origine également. Cherche la racine mère de ce programme. Alors, ce programme s'est installé au cours de l'incarnation actuelle, mais il s'est, tout comme on va construire une nouvelle maison sur des fondations d'une maison qui existait auparavant, ce programme-là a pu s'installer parce que il y avait déjà un programme toujours dû à cet état d'adolescence, mmh, qui doit réussir ses examens. Ok. Donc celui-ci, on l'a éliminé tout à l'heure, non? Oui, on élimine ce qu'il y a en dessous, mmh, mais ce qu'il y a au-dessus continue d'être là et de flotter en quelque sorte. Ok, alors on élimine également. Allez. Donc dans les mêmes conditions que précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Regarde au niveau de son corps mental, est-ce que tu vois des sentiments ou émotions limitantes? Il y a la peur de mal faire, mais mmh, c'est pareil, c'est la même racine. C'est la même racine, et si c'est trop, c'est négatif parce que c'est paralysant. Donc, on a dissous les racines. Donc, maintenant, il faut dissoudre le corps émotionnel, c'est ça? Oui, parce que ça se transforme en une émotion paralysante, en fait. Mmh. Très bien. Donc, on élimine également dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Alors, maintenant, il va s'installer un programme. Au niveau des émotions et des sentiments, tu vois d'autres choses? Oui, par rapport à la légitimité à être là, mmh, à avoir une existence sur le plan terrestre. Très bien. Alors, cherche-en également la racine mère. Tu remontes aussi haut qu'il le faut, à la racine mère. Oui, c'est lié au fait que je suis venue dans la matrice artificielle presque par effraction, mais est-ce que j'en ai vraiment la légitimité, puisque je suis là parmi le monde des humains, mais sans avoir cette essence humaine au même titre que les autres humains que je côtoie tous les jours. Mmh, très bien. Donc, il s'en débarrasse? Oui. Comment est-ce qu'il voit la situation maintenant? Quelle réponse il se donne à ça d'abord? Maintenant qu'il a comme passé un palier d'expansion, de prise de conscience, il s'aperçoit qu'il n'est pas le seul dans cette situation-là et que beaucoup d'êtres humains ont des natures qui ne sont en fait pas humaines, ou en tout cas d'origine
non humaines ou venant d'autres plans et incarnées dans des corps humains. Et Ok. que tous et toutes, et lui y compris, a toute légitimité à être là, sur ce plan-là. Donc maintenant c'est clair pour lui. Oui. Ok, alors on élimine le programme. Donc à la racine mère avec toi, dans les mêmes conditions que précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Est-ce que tu vois d'autres choses dans le corps émotionnel ou mental qui demanderaient à être visitées? Non, c'est bon. Bien, alors il va s'installer son propre programme. Il va déclarer qu'il est souverain, libre et autonome, qu'il a une puissance intérieure illimitée, une créativité illimitée, et qu'il est parfaitement légitime dans ce qu'il est. Et là où il est. Oui, c'est bon. Il va déclarer qu'il est amour. Et cet amour, je veux qu'il le rayonne, qu'il l'irradie, qu'il le Oui. vibre. Très bien. C'est bon. Je veux qu'il le ressente dans tout son corps, comme une certitude, comme une puissance intérieure, une puissance tranquille. Oui, ça brille en fait à l'intérieur de lui. Et ça s'expanse. C'est bon. Très bien. Alors, donc, l'autre point, la baisse de la vue, donc avec des sensations de brûlure. L'élémental du corps physique rejetait le dispositif qui était placé derrière le globe oculaire. D'accord. Donc maintenant, dans cette nouvelle est dedans, puisqu'il n'est plus là, est-ce qu'il reste des mémoires, des traumatismes ou autre chose? Il y a comme un blanc mémoriel. Un blanc mémoriel. Oui, c'est-à-dire c'est comme des trous ou des zones de blanc. D'accord. Donc l'élémental va faire ce qu'il faut maintenant pour combler ces trous et ces blancs. Oui, il y envoie de l'énergie directement. Ça vient relier les informations les unes aux autres et recréer un tissu mémoriel. Très bien. Est-ce qu'il y a besoin de réinformer? Oui. Alors, il stabilise et réinforme. C'est bon. Maintenant, je veux qu'il lui envoie de la force de vie et qu'il connecte au chakra cardiaque, qu'il lui envoie de l'amour. Oui. C'est fait. Très bien. Alors, autre point au niveau de la perte des cheveux. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'il perd ses cheveux? C'est une conséquence. Il y a une perte d'énergie. En fait, ce dispositif qui était situé là dans sa tête émettait comme une sorte de rayonnement. Et qui avait pour conséquence, c'était pas ce rayonnement en fait tout autour de lui induisait une baisse d'énergie cellulaire au niveau cellulaire. Et ça venait se porter au niveau des cellules à l'origine de la pousse des cheveux. Ok. Est-ce qu'il reste quelque chose de ce rayonnement? C'est comme s'il y avait eu une accélération au niveau des cellules, vieillissement prématuré et baisse d'énergie. Donc pas D'accord. suffisamment de renouvellement. Accélération du vieillissement et pas suffisamment de renouvellement. Ok. Donc dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il reste quelque chose de cette énergie, de ce rayonnement? Même si le dispositif n'est plus là, est-ce qu'il reste quelque chose? Oui, il y a des mémoires qui sont toujours là, dans Oui. l'élémental du corps physique, au niveau cellulaire aussi. D'accord. Alors partout où elle se trouve, on élimine dans les mêmes conditions que précitées. Et sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Est-ce que tu vois qu'il y a des traumatismes ou d'autres choses?
Alors, le traumatisme, il n'est pas au niveau des cellules, il est plutôt au niveau du corps émotionnel. Très bien. Alors, on élimine également dans les mêmes conditions. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Très bien. Maintenant, on va réinformer toutes les cellules. Oui. Voilà, stabiliser, bien sûr. Oui. Envoyer pour les cheveux, pour toutes les... on envoie de l'eau primordiale, d'abord des cellules souches. Et de l'eau primordiale, oui, qui va arroser tout ça. Avec à l'intérieur, fleur de vie, graines de vie et double lémniscate activé. C'est fait. Voilà. Comment est-ce que tu vois ? L'énergie circule maintenant de façon fluide. Très bien. Alors, il va y mettre de la force de vie et il connecte au chakra cardiaque pour de la force d'amour. Ça fait monter les fréquences dans toute cette zone-là, sur tout le cuir chevelu. Et plus sur le dessus du crâne. Ça me picote sur le dessus du crâne. C'est bon. On va en faire un hippie. Bon, ok. Alors, aussi, constipation permanente. Alors, regarde qu'est-ce qui lui arrive. Il y avait une inadaptation de son naissance à l'élémental du corps physique et qui n'arrivait pas à procéder aux ajustements nécessaires en raison des multiples attaques qu'il subissait. Tous ces êtres autour de lui qui tentaient de le bousculer, de le déplacer, de le piquer, de faire baisser ses énergies pendant qu'il était occupé à restabiliser à l'intérieur et à créer une protection extérieure. Il ne pouvait pas être sur tous les fronts en même temps et donc ça venait perturber directement toute la métabolisation de l'énergie, notamment au niveau de la transformation de l'énergie apportée par la nourriture. C'est-à-dire que bien que ce qu'il fasse entrer dans son corps physique soit équilibré et adapté, il n'y avait pas la structure intérieure suffisamment équilibrée pour accueillir ces éléments-là et les transmuter en énergie. Très bien. Alors, est-ce que maintenant, dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il reste des traumatismes, des mémoires ou autre chose, des images? Oui, il y a une sorte de peur de ne pas pouvoir fonctionner correctement au niveau de l'élémental de son corps physique. Très bien. Et de ne pas pouvoir être suffisamment efficace aussi, puisque bon, ça vient affecter le fonctionnement intestinal, vient affecter directement l'efficacité et le bon fonctionnement, mais ça intervient surtout dans l'efficacité, la fluidité et la rapidité, la mise en action de l'élémental du corps physique sur ce plan-là. Ok, donc on va éliminer cette peur partout où elle se trouve, d'accord? Oui. Allez, dans les mêmes conditions que précitées, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est bon. Et surtout, pour réinformer, nous allons aller dans le futur, au moment où la métabolisation est complète et réussie. Je veux qu'il aille à ce moment-là. Oui. Et je veux que son élémental remarque comment il se sent maintenant, comment toutes ses fonctions sont harmonieuses, comment elles sont fluides, comment tout fonctionne à merveille dans cette situation. Je veux qu'il en ait toutes les sensations, qu'il en savoure tous les aspects,
qu'il en ait le plaisir, qu'il le ressente pleinement. Ah, tout est fluide et léger, il n'y a plus ces blocages, ces lourdeurs, c'était comme collé, tu sais, les intros, oui. C'était collé. Là, il n'y a plus rien de tout ça du tout. Très bien. Donc, je veux qu'il se concentre sur les sensations, le ressenti, sa manière de voir, de ressentir, voilà, d'entendre, de toucher, qui exerce tous ses sens, en fait, dans une pleine appréciation. Il fonctionne plus rapidement, en fait, au niveau fréquentiel. C'est plus léger, plus haut, plus rapide. Très bien. Alors, je veux qu'il ramène maintenant tout ça ici et maintenant, et qu'il en affronte toutes les parties de lui. Aussi bien sa conscience cellulaire, sa cellule mère, sa conscience organique et systémique. Toutes ces parties de lui maintenant s'informent de cette nouvelle énergie, de cette conscience, de cette fluidité, légèreté, plaisir. Oui, c'est fait. Très bien. Comment tu le vois maintenant ? L'information est arrivée directement, comme un calque, tu sais, comme un modèle. Ça permet une adaptation, une mise en place, en fait, beaucoup plus rapide. Très bien. Alors, je veux que toutes ces parties de lui maintenant soient connectées au chakra cardiaque et reçoivent de la force d'amour. Oui. Oui, c'est fait. Ça vient faire les connexions tout de suite entre l'ancien et le nouveau. C'est comme des cosses électriques, tu sais, qui viennent se brancher avec l'énergie d'amour. C'est fait. Bien. Alors, autre point de la nuit, où il a des engourdissements dans les bras, parfois les doigts. Regarde d'où ça lui venait. Des attaques, des tentatives d'attaque. Ouais, c'est ça, c'est les attaques. À partir du moment où, pendant la nuit, mais comme dit précédemment, il y a une sorte de baisse de vigilance, il y a quasiment systématiquement des tentatives de couper ces énergies pour les isoler les unes des autres. Quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. Et quand ça marche, ça se traduit par ces phénomènes d'engourdissement. Très bien. Mais il y a toujours une veille en arrière-plan qui le fait se réveiller pour refaire circuler les circuits, remettre les circuits en place. Ok, donc dans cette nouvelle ligne de temps, ça n'aura plus lieu. Non. Est-ce qu'il reste mémoire, traumatisme ou autre, au niveau élémental, conscience cellulaire ou autre ? Oui, il y a des parties de... Tu sais, l'élémental, en fait, du corps humain, il a sa propre conscience globale, mais aussi il y a la conscience de chaque organe, de chaque muscle, de chaque tendon, de chaque partie du corps. Et toutes les parties du corps à qui c'est déjà arrivé, cet engourdissement, ont cette peur que ça recommence et qu'elles soient détachées et isolées du reste du corps. Ok, alors toutes ces parties concernées, on leur enlève, on nettoie ou on transmute l'apport. Allez, on va les transmuter en amour. On va les connecter tous directement au chakra cardiaque et toute cette peur est transmutée en amour. C'est ok ? Oui. Allez, 1, 2, 3. C'est fait. Alors, comment tu vois ça maintenant ? Tout vibre uniformément. Il n'y a plus de différentiel entre toutes les parties du corps. Il y a une unicité au niveau de l'élémental et il n'y a plus cette peur, elle n'est plus là. Bien. Très bien. Autre point, blocage de la gorge. Regarde, bon, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, mais
Là maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, et il y a aussi, c'était lié aussi à la légitimité d'être là, présent dans cet espace terrestre, et quelque chose lié à je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas le droit de m'exprimer, parce que je n'ai pas la légitimité à le faire. Bon, Mais ça, ça c'était a avant. été réglé ça tout à l'heure, la légitimité. Très bien. Regarde son chakra cardiaque, son chakra laryngé, pardon. Comment tu le vois à présent? Énergisé, lumineux. Pas de mémoire, pas de traumatisme, pas de souvenirs limitants. Alors, il y a des bribes de souvenirs qui tournent autour. Alors, il faut les éliminer. Allez, dans les mêmes conditions que précitées, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est parti. Et on connecte le chakra cardiaque au chakra de la gorge. Il y a toutes ces fonctions, thyroïde et autres. C'est fait. Et d'ailleurs, on le connecte à chacun de ces chakras, à ces 12 chakras. Il y a une couleur jaune puissante, très lumineuse, mais c'est presque doré en fait, qui vient énergiser tous ces chakras. Les relie les uns aux autres. Les stabiliser. C'est bon. Très bien. Bon. Donc, il voulait savoir s'il a des failles émotionnelles et karmiques. Bon, ben, je pense qu'il a ses réponses. Il n'y a plus rien à... Il y a juste ce que tu veux dire là-dessus, sur cette question? Ces questions étant en rapport direct avec ses croyances de son incarnation présente. Ok. Donc, les croyances sont éliminées. Oui, il a d'autres choses. C'est comme s'il allait passer à une étape non pas supérieure, mais plus large. Quelque chose, un état de conscience plus élargi. Il y a d'autres savoirs, d'autres connaissances qui vont venir, qui vont lui arriver. Parfait. Alors, autre chose, donc le mal qu'il a à mettre des projets en place, il procrastine. Donc, il y a bien sûr tout ce qu'on a vu. Est-ce que tu vois d'autres causes? Non, c'est lié à ce qu'on a vu. Donc C'est là, relié en fait à tout ce qu'on a vu. voilà. C'est-à-dire à la légitimité d'être là sur ce plan terrestre. Est-ce que j'ai le droit de mettre des choses en place? Est-ce que j'en ai la légitimité? Est-ce que j'en ai les connaissances? Est-ce que je suis assez puissant? Est-ce que je suis capable? C'était limité aussi par les dispositifs qu'il avait sur lui. Et pendant qu'il était occupé à maintenir son équilibre intérieur et à maintenir sa défense extérieure, il ne pouvait pas être occupé en même temps à mettre des projets en place de façon concrète. Il y avait aussi mais c'était lié à cet état antérieur de la peur d'être jugé aussi. Est-ce que j'ai la légitimité de mettre des choses en place? Et si je les mets en place, est-ce que ce sera bien? Est-ce que ce sera suffisamment efficace, affiné? Et il y a la peur d'être jugé aussi par rapport à ça. Et ça, c'était lié à son état d'étudiant, en quelque sorte, hein, avec cette appréhension du jugement de ses mentors d'une part et des autres humains d'autre part. Bien, ça c'était avant. Oui. Maintenant, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose?
Non. Bien. Ni traumatisme, ni plus rien. Maintenant, il n'y a plus rien du tout. Est-ce que tu vois que les programmes que nous avons installés sont suffisants pour lui ou est-ce qu'il a besoin d'en installer un autre? Il peut peut-être en rajouter un autre sur la peur d'être jugé. D'accord. Ok. Alors, il va installer un programme, donc il va déclarer que peu importe le regard des autres, il sait qu'il fait de son mieux et que il est parfaitement légitime d'être là où il est, dans ce qu'il fait, et que il n'est plus attaché au résultat, sachant qu'il fait de son mieux. Oui. Et il a pleinement confiance en lui, il sait que quoi qu'il fasse, c'est toujours dans la meilleure intention et la meilleure énergie. Oui, c'est fait. Très bien. Donc il en programme toutes les parties de lui. C'est fait. C'est tout bon? Oui. Très bien. Et il peut même rajouter qu'il a droit à l'erreur, puisque dans cette humanité, on peut aussi faire des erreurs, mais que c'est aussi un enrichissement, puisque il saura en tirer profit. Et d'ailleurs, l'erreur est faite pour ça. Mais souvent, l'erreur est un moyen détourné d'acquérir une connaissance complémentaire. C'est ce que je dis, en tirer profit. C'est bon. C'est intégré pour lui. Oui. Donc vive l'erreur. Ok. Donc il dit qu'il découvre le magnétisme, qu'il le ressent de plus en plus, il a envie d'aider les autres, faire des soins énergétiques. Qu'est-ce qui peut lui être dit par rapport à ça? C'est comme si jusqu'à présent il s'était bridé lui-même, mais c'était toujours lié à cette histoire de légitimité, enfin tout ce qu'on vient d'évoquer en fait. Voilà. Maintenant, il peut y aller à fond. Oui. Et comment est-ce qu'il pourrait le mieux exprimer sa créativité dans ce monde et y prendre du plaisir tout en ayant accès à l'abondance? C'est comme si ça allait se faire tout seul. Eh oui. Maintenant que les vannes sont ouvertes, tout vient naturellement. Il aura les inspirations, les idées, les envies. Oui, mais quand je dis tout vient naturellement, c'est-à-dire le savoir-faire, l'abondance, la clientèle, enfin tout. Très bien. Ok. Alors, bon, ben, voilà, donc il parle de sa confiance en soi. Bon, c'est plus la peine d'en parler, hein. Maintenant, on a bien compris et c'est plus le cas. Donc, on va faire venir. Regarde ses parents qui ont quitté ce monde. Fais-les venir. Est-ce que tu les vois? Oui, je les vois. Vérifie l'ADN éthérique, qu'il s'agit bien d'eux, et pas des hologrammes ou des déguisements. C'est bien eux, mais je ne les vois pas sous forme physique humaine, en fait. Peu importe. Sous quelle forme tu les vois alors? Alors ça va être un peu étrange ce que je vais dire, mais comme si c'était des formes arrondies, des demi-lunes, ou comme tu vois, un œuf avec un oisillon à l'intérieur. Quand l'oisillon casse les coquilles de l'œuf, il y a des morceaux de coquilles qui restent. Eh bien, c'est comme si ses parents étaient des morceaux de coquilles qui restent là au cas où. Donc ils sont là entre deux plans au cas où, en protection, au cas où il aurait besoin sur cet autre plan. Au cas où il aurait besoin, tu parles de Olivier? Ils sont restés là pour Olivier? Sur ce plan-là? Au cas où? Sur un plan intermédiaire, oui. D'accord. Bon. Parce qu'il le sentait, mais maintenant ça n'est plus nécessaire. Il sentait en fait son insécurité, son
son manque de confiance, son immaturité, son manque de confiance en lui, son vulnérabilité. Sa vulnérabilité, le fait qu'il ne soit pas complètement installé dans cette incarnation terrestre présente. Et donc, il restait là comme en arrière-garde, en arrière-plan, au cas où, avec ses, non pas sous forme humaine, mais de demi-lune, tu sais, pour accueillir, comme ça. D'accord. Bon, tu peux communiquer télépathiquement avec eux? Oui. Voilà, donc demande-leur si maintenant, pour eux, est-ce qu'ils veulent rester sur ce plan-là, ou ils désirent non, maintenant en sortir? C'est plus la peine. Bon, alors avant de partir, est-ce qu'ils veulent donner un message, dire quelque chose à Olivier? En fait, leur forme change. Et c'est comme s'ils changeaient en fait d'orientation au niveau de cette forme semi-arrondie. Ils dirigent vers lui un flot d'amour en fait. Et ensuite ça remonte et ça se dissipe. Très bien. Alors proposons maintenant de se connecter chacun à la source. Oui. Et s'il le désire maintenant, ils peuvent remonter comme étoile filante. C'est fait. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, en fait, et maintenant ils sont libres, libérés et libres. Très bien. Ils ont plongé dans la source? Oui. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe quand ils plongent dans la source? C'est pas plonger en fait, c'est oui. Ben justement c'est monter, mais c'est même pas monter, c'est diluer. Non, c'est pas ça, c'est réintégrer. C'est comme une réintégration. Et qu'est-ce qui se passe après pour eux quand ils sont réintégrés? C'est comme si en venant en incarnation, ils avaient accepté de, donc pas eux spécifiquement, mais les êtres humains. C'est comme s'ils, même pas seulement les êtres humains, toute manifestation en fait, qu'elle soit sur le plan physique 3D ou même sur d'autres plans, en acceptant de prendre d'entrer dans le domaine du manifesté, on accepte de se séparer d'une partie de la conscience universelle. Et là, ils ont réintégré et récupéré, en quelque sorte, ce qu'ils avaient accepté de laisser de côté le temps de la manifestation sur le plan physique et éthérique aussi. Et est-ce qu'ils gardent malgré tout une identité personnelle? Oui. D'accord. Ce qu'on appelle la source, c'est en fait la... C'est difficile à exprimer avec des mots, mais c'est comme si c'était la somme... de toutes les parties. C'est pour ça que quand j'ai dit le mot diluer tout à l'heure, ça n'était pas correct. Parce que diluer, ça voudrait dire qu'il y a dissolution des individualités, alors que là, ça n'est pas le cas. Chaque individualité est plus individuelle que jamais, mais reliée les unes aux autres pour former un ensemble de conscience. C'est donc la somme des consciences individuelles qui s'expansent, qui est en expansion, puisque à chaque fois qu'il y a une manifestation dans la forme, quelle qu'elle soit,
il y a séparation en fait d'avec cette conscience primordiale pour pouvoir s'expanser, acquérir encore plus de conscience au niveau individuel. Et à nouveau, ça fait comme des cycles, ça revient à cette source primordiale que ça vient enrichir et donc c'est en expansion tout le temps. Il n'y a pas de fin en fait. Mmh. Et pour la conscience, à chaque fois, c'est une aventure, c'est ça? Oui. Quelle que soit l'expérience vécue. Oui. Mmh. Et c'est la même chose pour ce qu'on appelle la sombrité, les reptiliens, en ce qui concerne aussi tous ces prédateurs. Est-ce que c'est la même chose pour eux? Oui, c'est un On autre... peut dire qu'ils sortent aussi de cette conscience globale, d'une certaine ils façon. Ils sortent de la même conscience, oui, tout à fait. Voilà, avec une polarité différente. C'est ça, ils sortent de cette même conscience primordiale, que l'on peut appeler la source aussi, quel que soit le nom qu'on lui donne, avec un type d'expérience de la source qui s'expérimente elle-même, différent, une expérience différente. D'accord. Mais aussi réintègre la source. Oui, c'est nécessaire. Après l'expérience. Oui, c'est nécessaire et complémentaire, en fait. Voilà. Et oui, il y a réintégration aussi de la source, de cette conscience, plus que la source, c'est une conscience primordiale en fait. Mmh. Très bien. Ok, bah, c'était après cette aparté fort intéressante, on va continuer. Mmh. Bien. Donc ses parents sont partis et puis voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour de son questionnaire. Donc nous allons continuer. Il y a autre chose? Non, c'est bon? Non, c'est bon. Donc, on va continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi? Mm-hmm. Nous allons couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang. Donc des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout l'espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Et oui. Oui. J'avais pas noté lui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. C'est fait. Et maintenant, il va part du plan Morantiel, ou de son plan, comme il veut, du plan pléiadien. Je ne sais pas ce qui est mieux pour lui. Et il Morantiel. Va récupérer Morantiel. Mmh. Et il récupère toutes ses énergies. C'est fait. Bien. Alors avant de continuer, on va revenir à sa liste puisqu'on a oublié son enfant, son fils. Mmh. Alors tu appelles son fils, fais-le venir. Oui. Comment le vois-tu? Déconcerté. Pourquoi donc déconcerté? C'est comme s'il ne savait pas comment se placer. Et dans sa propre incarnation. Mmh. Dans son propre chemin d'incarnation. Et par rapport à son père aussi. Il y a une sorte de mise en pause volontaire. Dans un désir de trouver sa propre individualité, sa propre identité. Et c'est ça, c'est comme s'il était dans une sorte de pause nécessaire, qui est à la fois un retour sur lui
et à la fois ce qu'on pourrait considérer comme étant un éparpillement, mais qui en fait n'en est pas un, puisque c'est une recherche de son identité dans cette incarnation-là, sur ce plan terrestre-là. Donc c'est un cheminement naturel. D'accord, d'où est-ce qu'il vient lui? Comment il a choisi ce père? C'est lui qui l'a choisi ou il a été choisi pour lui? Non, c'est lui qui a choisi. D'où est-ce qu'il vient? Il y a quelque chose en lien avec la liberté. Il a choisi de venir dans cette lignée-là en rapport avec la liberté, une forme de liberté qu'il souhaite garder, une forme d'indépendance qu'il souhaite garder. D'accord. Est-ce qu'il vient des Pléiades lui aussi ou il vient d'ailleurs? J'ai pas d'informations à ce sujet-là. Ok, c'est pas grave. Alors, montre-lui le travail qu'est en train de faire son père. Oui. Voilà, demande-lui si ça l'intéresse d'en profiter pour lui-même. S'il veut profiter de cette opportunité. Oui, alors comme il est en mode pause, il prend toutes les informations et la structure nécessaire du travail pour le faire quand il l'aura décidé lui. D'accord. Eh bien, c'est déjà bien. Mais il est d'accord, oui. Très bien. Donc, on ne fait rien tout de suite. C'est bien ça? Il prend seulement l'information pour quand il c'est le décide. Ça. Oui. Est-ce qu'il veut rester avec nous pour la douche finale? Oui, parce qu'il est curieux de tous les éléments. Il est important pour lui qu'il prenne connaissance et qu'il capte toutes les informations pour pouvoir les mettre en place quand lui l'aura décidé. Très bien. Donc, il est invité pour ça. Oui. Parfait. Donc, nous le retrouvons pour la douche finale. Ok? Oui. Bon. Est-ce qu'il veut en profiter pour dire quelque chose à son père? Est-ce qu'il a des doléances? Là, il y a plutôt le qu'on lui fiche la paix, quelque chose comme ça. Il a son propre cheminement à faire. Et il a bien l'intention de ne pas se laisser influencer et de choisir lui-même. Très bien, c'est la liberté, quoi. Bien. Ok, pas de souci, il est libre. Bon, on continue le protocole. Alors, activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double démiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Activation de l'implant neutre. C'est fait. Programmer la permanence et équilibrage de ces processus. Oui. Le rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Programmer également la permanence et l'équilibrage. C'est fait. Guérison instantanée. Pour les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Il fait descendre les énergies, les codes et les informations jusque dans les parties concernées. Oui. Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui.
Installation de la force de vie, graine de vie et double lemniscate activé. C'est fait. Et maintenant, il va créer son baume de vie régénérant. Il prend des cellules souches et de l'eau primordiale. Oui. Flore de vie, graine de vie, double lemniscate qui active le tout. Oui. Maintenant, il enduit son corps des cheveux jusqu'aux orteils. Donc, il n'oublie pas les cheveux. Hein. Et à la surface et à l'intérieur. Oh oui, c'est fait. Très bien. Ça te fait ressentir quoi? Ça fait des légers picotements, mais c'est agréable. Sur toute la surface du corps et plus particulièrement sur le sommet du crâne. Très bien. Il va en programmer également la permanence et l'équilibrage. Oui. Parfait. Maintenant, on va regarder son ADN éthérique. Et je veux que tu me dises combien est-ce que tu vois de brins d'ADN de connecté. Douze. Ok. Combien il y en avait avant la séance? 10. Très bien. Est-ce qu'il peut en connecter d'autres? Là, c'est l'équilibre qui convient. Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Ça lui permet d'établir des connexions rapides entre les différentes manifestations de lui-même. Ça lui permet de laisser passer l'énergie au travers de son corps physique sans dommage. Très bien. Combien de temps est-ce que tu vois pour l'intégration totale de cette séance? Entre 5 et 9 mois. Est-ce que tu vois des effets rapides? Il va sentir des mouvements énergétiques à l'intérieur de lui. Rapides. Comme des sortes de courants électriques. Sauf que là, ça n'est pas désagréable, c'est dynamisant. Très bien. Est-ce que tu vois des effets désagréables dus à la métabolisation, inconfortable? Non, je cherche, mais non. Non, bon. Très bien. Ok. On va enrouler son ADN d'un double sinusoïde d'énergie issu de sa source. Oui. Très bien. Maintenant, je veux que tu regardes son domicile. Comment le vois-tu? Il y a plusieurs couches énergétiques défensives. Mmh. Ok. Mais qui ne sont pas... Il y en a certaines qui ne sont pas suffisamment efficaces. Mais il n'en a plus besoin? Non. Bon. Regarde avant tout s'il est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques. Non, c'est tout à l'origine de lui-même qui a installé comme des couches de défense, certaines efficaces, d'autres non, mais qui au fil du temps sont devenues même... bloquante en fait par rapport à ses capacités. Ok, alors il fait une grosse tornade bien puissante, il nettoie tout. Allez. Surtout des plans. C'est fait. Il installe partout flore de vie, plaque Tesla, graine de vie et double lemniscate activé. Ah oui. Sur son compteur général, il installe un gros diamant qui transmute l'électricité en force de vie. Oui. Il y appose une flore de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. C'est fait. Il va mettre au plafond un gros boîtier qui va donc filtrer l'air
y compris la nanotechnologie. Oui. Et maintenant, il produira un puissant effet Niagara avec un parfum et un son qui se module. C'est fait. Très bien. À présent, il va mettre son domicile dans une bulle. Il remplit d'abord tout son espace de sa propre énergie, premièrement. Oui. Et il le met dans une bulle christique. C'est fait. Et lui également. Oui. Très bien. Donc, avant de continuer, j'aimerais que tout à l'heure, il s'est connecté à toutes les consciences qui étaient dans l'intention de résorber cette matrice artificielle. Est-ce que l'information a continué à circuler? Est-ce qu'il la fracturer. La fracturer, ok. La fissurer. La fissurer. Donc, il est connecté à toutes ses consciences? Toujours? Oui. L'énergie circule bien? Oui. Alors, je veux que chacun soit connecté par le chakra cardiaque, en tout cas par le cœur. Oui. Et je veux que ce soit une déflagration, mais par de la force d'amour. Oui. Alors, je vais compter à trois et je veux que toutes les présences reliées dans toutes les dimensions, dans cette intention, donc envoient une puissante force d'amour dans cette matrice artificielle. Mm-hmm. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, je vais compter à trois, et à trois, tous en cœur, cette puissance d'amour qui va exploser ou imposer, peu importe, en tout cas, qui se déploie avec une puissance, une très grande puissance. Allons-y. Un, tu es prête? Mm-hmm. Deux, trois. Il y a des morceaux qui sont séparés les uns des autres. Il y a tout un ensemble de fissures en fait qui s'est mis en place. Des morceaux qui se détachent. Alors on va faire une chose avant de continuer. On va donc éliminer l'ordre de conséquentialité pour chacune des consciences qui a participé et pour nous également. D'accord, c'est important. Oui. À trois. Un, deux, trois. Ah, c'est bon, c'est fait. Voilà. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu vois des choses? Bon. Tu as des observations à partager? Il y a des morceaux de cette matrice artificielle qui se sont détachés de l'ensemble, qui sont comme aspirés dans l'infini. Mmh. Ça a pour effet d'élargir toutes les autres failles. Ça fragilise l'ensemble, tout l'ensemble est fragilisé. C'est, comme tu sais, comment dire, ça pourrait être comparable à un énorme bloc de glace qui est fracturé de l'intérieur, fissuré de l'intérieur. Rien ne se voit à l'extérieur ou très peu, mais la structure même ne tient plus, elle est touchée. Ok. Est-ce qu'il y aurait besoin d'une deuxième vague d'amour? Ce serait abusé ou pas? Ça pourrait être déstructurant parce que, pour reprendre l'analogie avec cet énorme bloc de glace, si les morceaux s'échappent trop d'un coup, ça peut venir blesser et écraser ceux qui sont à l'initiative
de cet état de fissure. D'accord. Ok, il faut laisser faire les choses alors maintenant, naturellement. C'est ça. Hein? On va dire que le verre est dans le fruit. Il faut laisser faire le verre. Oui. Très bien. Ok. Bon. Alors, nous allons maintenant programmer toutes les protections de tous les différents états de conscience. C'est fait. Relier le début et la fin de la séance. Oui. Créer une bulle pour l'instant présent et une bulle pour la fin de la métabolisation complète et réussie. C'est fait. Elles vont fusionner et s'expanser. Oui. Rayonner et irradier. Oui. À l'intérieur, on y installe son élémental. Toutes ces bulles de projet. Oui. Et toutes ces bulles d'intention. Oui. On y met une fleur de vie, une graine de vie et un double l'hibiscate activé. Et le corps diamantin autour. Ah oui, c'est fait. Très bien. Ok, on va pouvoir appeler son sens supérieur et demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Ça a été instructif à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que par cette action-là, par ce travail-là, ça a permis à la partie physique de comprendre et de ressentir jusque dans sa propre chair, même au niveau biologique, que l'être humain est aussi puissant, voire plus que d'autres entités dites extraterrestres, et que auxquelles l'être humain va faire appel les croyant plus puissantes que lui. L'être humain est extrêmement puissant, et c'est parce qu'il n'a pas conscience de sa propre puissance qu'il se bride lui-même. Donc la solution n'est pas de faire appel à d'autres êtres dits extraterrestres qui viendraient au secours de cet être humain si petit et si fragile, ou en tout cas c'est ce qu'on veut lui faire croire. En fait, il est aussi puissant et voire même plus, et il a autant de capacités, voire même plus, que d'autres consciences dites extraterrestres. Et ce travail-là lui a fait ressentir ça profondément dans toutes les fibres de son corps. Le ressenti de ses propres capacités, de sa propre puissance. Son travail maintenant est de garder cette sensation-là vivante et présente pour pouvoir la mettre en action. Et c'est ce qui permet aussi de laisser passer au travers lui, au travers sa physicalité, l'énergie. Sans dommage. C'est de cette façon-là qu'elle peut passer sans dommage à travers lui. Tel un rayon laser dont il a l'entière maîtrise. C'est bon. Très bien. On va le saluer. Et j'aimerais que tu regardes son âme, comment tu la vois? Elle a pris du recul en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle n'est plus réfugiée à l'intérieur de son espace énergétique,
Elle s'est comme expansée. Elle est devenue transparente. Je ressens juste sa présence, c'est-à-dire que s'il a besoin de cette structure de l'âme, elle est là, mais pour l'instant, elle est vierge, transparente, parce que pour l'instant, il n'a pas besoin de cette structure-là. Très bien. Comment tu vois ça à partir subliminal? Pour l'instant, elle est en fusion avec la partie physique, en soutien de la réception de ces nouvelles énergies. Mais ça ne va pas perdurer dans le temps quand la physicalité aura acquis l'habitude de laisser passer ces nouvelles énergies. Sa partie subliminale va prendre de la distance et rester là en arrière-plan, en soutien actif. Très bien. Et qu'en est-il de ses confrères pléiadiens qui étaient là? Ils sont en observation lointaine, mais sans intervention. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils vivent ça, eux, du fait de son détachement, de son autonomie? C'est ce qu'ils attendent de tous leurs élèves. C'est un petit peu comme un exemple ou quelque chose comme ça qu'ils peuvent montrer aux générations suivantes dans leur structure qui est semblable en quelque sorte à une structure étudiante sur leur plan. C'est ce qui est attendu en fait. C'est ce qu'ils attendent de leurs étudiants. De prendre leur envol et de devenir autonomes, de prendre conscience de leur puissance et de leur pouvoir de créativité et de s'en servir. C'est bon. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Avant le retour et la touche finale, nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec ses parties supérieures et dans cette nouvelle version donc de l'évier. En ce qui nous concerne, nous allons redescendre nos fréquences. Oui. Nous réancrer et harmoniser. Oui. Très bien. Besoin de quelque chose? Non. Bien. Alors on invite Olivier et son fils. Il est toujours d'accord, son fils, pour la douche? Oui. C'est pas quand il veut. Il va prendre l'information pour le faire plus tard. Ça, c'est correct pour lui de le faire maintenant. Très bien. Alors, chacun trouve son portail et sa cascade. Et sous cette toute autre fréquence qui est composée de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie, d'informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et les apprécier pleinement. Oui. Très bien. Maintenant, dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu.
Oui. Et maintenant, suivant la propre échelle de mesure d'Olivier, dis-moi quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle maintenant? Il était à 17 000, maintenant il a 52 000. Est-ce que ça va bouger? Ah oui, ça va bouger plusieurs fois, comme des plateaux qui sont en fait comme des phases d'essai. Ça va bouger aussi au cours de la suite de son incarnation terrestre. Il va y avoir des plateaux différents. Mais là, après cette première montée, ça va redescendre aux alentours des 40 000. Et ensuite, tout au long de cette incarnation terrestre, il y aura des plateaux différents, mais qui seront adaptés à chaque fois à ces nouvelles fréquences. C'est-à-dire, c'est pas figé une fois pour toutes dans le temps, c'est sans arrêt en adaptation. Bien sûr. Très bien. Bon, chacun va pouvoir sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, c'est bon. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. C'est parti. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Ça va, comment tu te sens? Bien. Bien ancré? Oui. T'es bien revenu dans ce plan de réalité? Oui. Ok. Allez, Olivier, tu peux remettre le son si tu veux. Ouais, on m'entend? Oui. Oui, très bien, Ah, parfait. c'était fantastique. Vraiment, merci, merci beaucoup parce que je soupçonnais des petites choses, mais là, ça a répondu inconsciemment à plein, plein, plein de problématiques et de compréhensions. Et c'est vraiment, j'avais chaud et puis j'ai bâillé, bâillé sans arrêt parce que je libérais en même temps tout ce qui se J'ai vu ça. présentait. Donc ça fait un travail, j'étais presque en sueur là. mais c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de mots là, mais c'est merci. Et s'il y a besoin par la suite, voilà, des connexions à faire, ne pas hésiter à m'appeler, si ça peut encore ouvrir des portes ou n'importe quoi. Parce que je ressentais qu'il y avait une mission comme ça derrière. Puisqu'on a le fait de s'intéresser à tout ça et d'œuvrer. Et je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux les choses et tout était juste. Tout était vraiment juste. Ça a fait un grand, grand soulagement en même temps. Il va être en plusieurs jours, forcément, parce que là, je le ressens. J'ai déjà un peu déstressé. J'étais très stressé, hein, on dirait pas, mais à l'intérieurement, ça palpitait, hein, là, depuis le début, hein. Il y avait un trac. Mais au fur et à mesure, ça s'est vraiment estompé. Et bon, l'intégration va faire son temps. Mais voilà, merci vraiment beaucoup. Ouais. Ben merci à toi, merci à Emmanuel, hein, bien évidemment, hein, Ouais. pour son Ah excellent travail, oui. comme d'habitude. Voilà, et donc ben, tu connais la consigne, hein, revoir ta vidéo, la ressentir, la revivre, enfin en reprofiter pleinement, quoi. Hein, Oui. voilà. Et puis j'espère que ben, nous aurons de tes nouvelles dans quelques temps. Ah oui, Hein? avec plaisir Par et mail ou SMS, enfin, c'est le plus simple. oui. Là, on va passer à l'action. C'est bien. Ouais. Et donc, tu m'autorises à publier la vidéo? Oui, bien sûr, Tu oui. veux être flouté? Je ne sais pas encore là. Ben, faut me dire maintenant parce que je vais la travailler, ta vidéo, maintenant. Donc. Ah, ok. Non, je pense que non, j'ai retiré beaucoup de peur maintenant. Super. Beaucoup de peur, je pense qu'on peut la laisser non floutée. Hein. Bon, Ouais. bah, c'est génial. Ouais, Super. parce que maintenant, il faut vraiment se montrer et Bah oser. oui. Exactement. Et oser être ce qu'il en est. Ouais. Super. Ok, Voilà. Olivier, en tout cas, on va À merci pour tout de suite. Oui. toutes les consciences qui vont découvrir ta vidéo, ta séance qui est riche. Hein. Ouais.
On a essayé de creuser un petit peu pour donner de l'information, surtout en ces temps qui en ont, où tout le monde en a besoin. Donc voilà, une très belle séance pleine d'informations et je suis content que tu autorises à la publier et en plus non floutée. Voilà. C'est génial. Merci à toi Olivier. Merci à Emmanuel. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.